République démocratique du Congo, coalition Lamuka, coordination du Lualaba, communiqué de presse. La coordination provinciale du Lualaba de la coalition Lamuka a constaté avec indignation et amertume les propos d'incitation à la haine tribale, d'incitation au soulèvement populaire, diffamatoire et calomnieux, de stigmatisation et de menace des morts contre le digne fils du pays et le Lualabé à la personne de M. Moïse Katumbi Tchapwe, coordonnateur national de la coalition Lamuka, tenu par M. Dona Chimboche en date du 27 mai 2019. Ici, nous soulignons une des déclarations, M. Dona Chimboche l'a faite sous les drapeaux, c'est-à-dire dans son bureau, en sa qualité de rapporteur du bureau de l'Assemblée provinciale. Nous continuons. En effet, nous rappelons à l'intention de M. Dona Chimboche et à son groupe que la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de 2006, dispose en son article 30 que toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d'y circuler librement, d'y fixer sa résidence, de le quitter et d'y revenir dans les conditions fixées par la loi. Aucun Congolais ne peut être ni expulsé du territoire de la République, ni être contraint à l'exil, ni être forcé à habiter hors de sa résidence habituelle. Ainsi, le Lualaba étant une des provinces de la République du Congo, tout Congolais ou étranger est libre d'habiter là où il veut. Monsieur Dona Chimboche, toi et ton groupe, tenez-le pour dit, la province du Lualaba n'est pas une propriété privée. La province du Lualaba n'est pas une chasse gardée pour qui que ce soit. Par conséquent, vous n'avez ni droit ni qualité d'engager les dignes filles et fils du Lualaba que nous sommes dans votre raisonnement qui ne s'apparente pas à une paix sociale. Monsieur Dona Chimboche, toi et ton groupe, nous vous encourageons avec élégance de rentrer sur le banc de l'école afin de comprendre les lois de la République, certains concepts moraux et surtout le sens du principe persona non est grata et ses conséquences surtout. Cependant, nous demandons à la population lualabaise de ne pas céder encore moins avoir peur de cette tentation diabolique et machiavélique et de se préparer à réserver un accueil chaleureux à M. Moïse Katumbi Tchapwe le jour de sa visite dans notre province du Lualaba, qui vous sera bien sûr annoncé prochainement. Au demeurant, nous demandons au procureur général près la cour d'appel de Lualaba de se saisir d'office et d'ouvrir un dossier judiciaire contre M. Dona Chimboche afin de décourager cet acte infractionnel incitant à la haine tribale, au soulèvement populaire et portant atteinte à l'ordre public. Sentiment patriotique fait à Colosie le 30 mai 2019 pour la coordination de la Mouka dans la province de Lualaba.